Bonjour à tous, ici Cécile, j'espère que vous allez bien. Me voilà aujourd'hui à te parler sur mon lit, c'est un peu inhabituel, je suis désolée, puis en plus je suis très près de la caméra, donc je sais pas ce que ça va donner. Mais en fait, après notre fils qui a été malade toute la semaine dernière, bah, cette semaine c'est le tour de notre fille, forcément. Et donc tout est un peu chamboulé, et la maison aussi. Et aujourd'hui, en fait, j'ai envie de te présenter les différents sujets que je vais aborder sur la chaîne, puisque je l'ai jamais fait, en fait. Et c'est une chaîne que j'ai créée pour partager avec toi les sujets qui me tiennent à cœur, qui me passionnent, et pour en discuter, pour avoir des échanges là-dessus. Et du coup, bah voilà, je pense que c'est peut-être pas mal si je te présente un petit peu ces différents sujets. Et déjà, je voulais vous remercier à vous, à tous ceux qui regardent les vidéos que je mets en ligne, parce que je suis extrêmement touchée. Je suis très touchée par vos commentaires aussi, et j'adore les lire, y répondre, et vraiment j'adore ce partage vraiment qu'on met en place. Et donc merci à vous, et ça me donne envie de continuer, et ça me donne envie de partager encore plus de choses avec vous. Voilà, donc j'ai fait une liste des sujets que j'ai envie de partager avec vous. Alors il y en aura peut-être d'autres, parce que c'est ceux auxquels j'ai pensé là, mais après l'important c'est aussi que vous me disiez ce qui vous intéresse dans tout ça, et puis on peut creuser certains points, et puis moi ça me permet de progresser aussi, de comprendre comment vous faites dans votre vie sur certains sujets. Et du coup j'ai envie de construire mes vidéos et cette chaîne comme ça. Donc le premier sujet, c'est le minimalisme, bien sûr. Ça, vous avez vu que pour le moment, la plupart des vidéos traitent de ce sujet. Pourquoi? Parce que c'est un gros sujet d'actualité pour moi, c'est un sujet qui me fait grandir, qui me fait évoluer, et qui est un peu mon fil conducteur en ce moment, qu'on retrouve dans différentes parties de ma vie. Et du coup, ça me tient énormément à cœur, donc c'est sûr que c'est un sujet qui va rester au cœur de mes vidéos. Après, j'ai envie de partager avec vous des expériences de vie, et ça peut être des expériences que j'ai vécues ou dont j'ai connaissance. Ça peut être des sujets de développement personnel, ou ça peut être des analyses, tu vois un peu comment je pense certaines choses, ma façon de voir certaines choses dans la vie. Et le but c'est aussi que de confronter nos idées pour pouvoir s'enrichir mutuellement. Il va y avoir des sujets qui traitent au bien-être, bien-être physique, au bien-être psychologique et spirituel, et à l'équilibre de vie, et notamment tu vois, sur le yoga et la méditation, sur le sport, l'activité physique, sur l'image de soi, l'image de son corps, et aussi sur le fait de prendre soin de soi, de s'aimer physiquement, mentalement. C'est des sujets qui me tiennent énormément à cœur aussi, et je pense que j'aborderai également des sujets liés à l'alimentation et au bien-être, parce que ça me passionne, et que j'ai une formation dans ce domaine également, et que je suis émerveillée par de voir tout ce qu'on peut guérir, soigner, et comment on peut changer sa vie par le biais du bien-être et de l'alimentation. Et c'est des piliers très très forts, moi, dans ma vie, dans mon mode de vie, et du coup j'ai envie de le partager avec toi. Et puis après, il y aura des sujets plus lifestyle, liés au mode de vie, à la vie avec des enfants, ça peut être à l'éducation, ça peut être au voyage, enfin différents sujets sur la vie, un peu comme elle vient, et ce qui est cool dans la vie. Donc grosso modo, c'est à peu près la liste des sujets dont j'ai envie de te parler. Mais n'hésite pas à m'en faire part si toi, il y a des choses que tu as envie que je partage avec toi, parce que tes commentaires, les commentaires que vous me laissez m'inspirent énormément en général, et comme je vous le disais, ils me font énormément plaisir, et ça me donne envie d'aller plus loin. Donc j'ai envie de prendre en compte ce dont toi tu as envie aussi dans la chaîne, et d'avoir différents points de vue, différentes opinions. Et puis je trouve ça super que ce soit interactif comme ça, c'est ce qu'on peut construire sur YouTube. Donc merci à vous, j'espère que ces différents sujets vous plairont. Je suis hyper contente de faire
faire ça. En tout cas, moi, j'ai découvert une chose dans ces dernières semaines en créant ces vidéos, c'est que ça m'éclate et que j'adore ça. Donc, je suis très, très contente de le faire et encore plus quand je vois que, voilà, que vous répondez, que vous commentez, etc. Je vous souhaite à tous une excellente journée. Prenez soin de vous. Profitez de votre temps, de tout ce que vous pouvez. Et puis, on se revoit très vite. Salut, bonne journée. Au revoir.